chance, Ryan. Un autre communicateur. Sûrement celui de Ryan. Les agents de Mobius. Ils ont sûrement quelque chose d'utile sur eux. Un appareil réglé pour prendre une photo de la victime. Où il est passé? Qu'est-ce que c'est censé représenter? Putain, c'est horrible. Malade.
C'était bizarre. Même pour cet endroit. La planque de Nil est juste là. Autant lui annoncer la mauvaise nouvelle de vive voix.
Vous les avez trouvés ? Ils sont morts. Mais d'après ce que j'ai vu, ça vaut mieux pour vous. Ils avaient prévu de tuer tous les survivants. Un protocole d'urgence Alpha 1, pas vrai ? C'est pas la pire idée de la journée, cela dit. Vous commencez vraiment à me les briser, O'Neill. Je vois juste les choses en face. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas possible. Mobius n'a pas créé des protocoles d'urgence pour rien. S'il n'avait pas fabriqué cet engin de l'enfer, il n'y aurait pas eu besoin de ces protocoles. Peut-être. Mais regardez ce qu'ils ont accompli. J'ai du mal à y croire. Toujours aussi fidèle après tout ça, hein ? J'espère que votre loyauté vous rapportera quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, Mobius a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre de vous. Comment ça ? Ils vous ont envoyé ici, pas vrai ? Désolé, je voulais pas vous énerver. Tenez, j'en ai fabriqué d'autres. Pour le dérangement. À propos... Comment saviez-vous que le signal provenait du gars dont je parlais ? Mon communicateur est devenu dingue quand vous avez essayé d'appeler. Quelque chose faisait des interférences, une fréquence que je n'avais encore jamais vue. Et elle provenait de l'entrepôt dans lequel vous étiez. Juste avant votre appel, le signal a disparu, et ensuite il a réapparu à l'hôtel de ville. Quand vous avez dit que ce gars était puissant et que vous l'aviez perdu, ça me semblait logique que ce soit lui la source de cette fréquence. De quel genre de pouvoir s'agit-il exactement ? Il a invoqué certaines de ces choses, comme s'il les contrôlait. Ensuite, il s'est tout simplement téléporté. Ça m'a rappelé la dernière fois où j'étais dans le STEM. Mais tout le monde à Union a subi des tests avant d'être placé dans le STEM. C'est impossible qu'un tel psychopathe ait pu passer. Je suis ici, moi. J'ai pas subi de test. Mais vous n'êtes pas un psychopathe. Pas vrai ? Pourquoi pensez-vous qu'il ait choisi de s'installer à l'hôtel de ville ? Ça a certainement un rapport avec l'émetteur de champ stable qu'on a installé là-bas. Bordel, c'est quoi encore ce truc ? En fait, c'est une machine qui stabilise temporairement une zone du STEM si elle commence à se déliter. C'est loin d'être aussi puissant ou efficace qu'un noyau, donc on les utilise uniquement en cas d'urgence. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Ouais, Harrison et une équipe de sécurité sont partis l'installer quand nous sommes arrivés. J'espère qu'ils vont bien. Vous devriez peut-être venir avec moi. Si je parviens à trouver Lily, nous pourrons partir d'ici ensemble. Ah non, je mettrai pas un pied en dehors de cette planque à moins d'y être forcé ou de quitter entièrement Union. Et d'ailleurs, qui est cette Lily dont vous parlez constamment ? Lily est ma fille. Et c'est aussi le noyau. Ça explique votre détermination à la trouver. J'ai vraiment besoin de vous. Je vous aiderai d'ici quand ce sera possible, mais je ne vais pas dehors. Ce n'est qu'une petite fille. Je sais, mais faire appel à mon côté humain n'est pas un bon moyen de me convaincre. Désolé, c'est pas dans ma nature. Ouais, j'avais remarqué.
Qu'est-ce que c'est que ça? L'occasion de tester vos talents? Avancez et tentez votre chance, inspecteur. C'est de la folie. Oui, ce serait de la folie de passer à côté. Visez juste et servez-vous de vos talents de tireur. Pas besoin de vous inquiéter pour les munitions. Inspecteur Castellanos, c'est toujours un plaisir de vous voir. De retour à ce que je vois. Et en vous vous rapprochez. Ma fille. Oui, allons dans. Thank you.
Cette voix est différente des autres. Sébastien. Fichier numéro 15. Session avec l'inspecteur Sébastien Castellanos.
Inspecteur Sébastien Castellet. Que se passe-t-il ?
Il fait froid. Qu'est-ce qui se passe ? Il est venu me chercher. Il faut que je sorte d'ici. Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici. Na 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 na
Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il doit bien y avoir un moyen de sortir d'ici.